Tu veux quoi? Nous aussi. On peut pas s'entendre pour une fois. On s'entend pourquoi? Tout le temps, c'est toi qui amènes les problèmes dans cette maison. Maintenant, tu m'appelles pourquoi? Excuse-moi alors. Je suis venue te voir pour pas du pain de vie de masse. Il faut qu'on parle à Calvino. Hein? L'année dernière, il nous a pas acheté le pain. Il nous a jonglé comme ça et il nous a laissé. Tu as pleinement raison parce que l'année dernière, Calvino nous a jonglé comme des enfants. Assieds-toi. Il faut que quand il va rentrer, tu attaques là-bas, j'attaque là-bas, tu doses là-bas, je dose là-bas, le pain va sortir. L'année dernière, toutes les femmes ont eu le pain, sauf nous. Que c'est quoi? 8 mars. Inquiète, dès que Calvin nous rentre ce soir, tu attaques, j'attaque, tu attaques, le pain va sortir. Ça va sortir. Le 8 mars. 8 mars. Ok, bonne journée, mon amour. Calvin, reviens, je vais te parler. C'est quoi, ma chérie? Il y a encore un problème? Tu te chamailles avec Mina encore? Donc, ça te plaît de nous voir nous chamailler tout le temps, hein? Mais non, parce que tu as le visage triste. Qu'est-ce que tu veux que je... Mon problème, c'est que bientôt, c'est le 8 mars. Mais ça ne te dérange même pas. Hein? Je veux pas les histoires que tu as fait l'année dernière. Je veux mon pain du 8 mars. Le 8 mars, et puis quoi? Calvin, je vais te parler. Toi aussi, ton problème, c'est quoi? Le pain du 8 mars aussi. Oui. L'année dernière, tu nous as pas offert le pain du 8 mars. Cette année, il faut que tu nous achètes le pain. Ok, ça va. J'ai compris. Mais donnez-moi moi la bénédiction pour la journée. Pas de bénédiction. Hein? Quelle bénédiction? Hein? Reviens avec mon pain. Donc, pain de 8 mars, où ça ou rien? Où ça ou rien? Rien. Attendez. Mais quelle est cette façon de demander quelque chose à votre mari? Où le respect? Tu veux qu'on te demande comment? L'année dernière, tu nous as pas offert le pain. Cette année, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Tu dois nous offrir le pain du 8 mars cette année. Ok, ça va. J'ai compris. Les gars, c'est comment? Non, ça va. Et, Calvino, tu es chaud aujourd'hui, mon frère. Ah, on m'a fait comment? La vie, c'est la chance, hein? Vraiment. Tu sais, ce sont mes deux charmantes épouses qui me rendent beau comme ça. Je veux parler de la vie, c'est Nina. Dis-moi que tu as plutôt la chance avec la polygamie, hein? Ah oui, tant pis pour vous les malchanceux, hein? Moi, je suis un gars chanceux, hein? Canary. Aïe. Ta mine là m'inquiète un peu, hein. Laisse-moi, mon gars. J'ai été agressé ce matin par ma propre femme. Pour l'histoire du pain de 8 mars, non? Elle m'a serré carrément. Hein? Je m'en ai acheté son pain aujourd'hui même. Le 8 mars là, c'est devenu quoi? Hein? Au point où une femme agresse son mari. Non, ça c'est inconcevable. J'espère que tu lui as donné des uppercuts, hein. Attends, parce que moi, il ne blague pas avec ça. Tu me connais pas. Oh, mais j'ai dosé son œil. Mais comment? Je dis, comme ça bombé. S'il vous plaît. J'ai dosé son œil. Voilà. Faut passer voir ça comme ça bombé. Je dis, voilà. S'il vous plaît. Parlant du 8 mars là même. Le pain là, ça coûte même combien? Tu fais quoi avec le pain? Tu fais quoi avec le coût du pain? Mais vous êtes sans ignorer que j'ai deux femmes. Hein? Chaque femme doit avoir un pain au moins. Mais quand même, c'est la journée, on doit le faire honneur. C'est la journée internationale de la femme, c'est reconnu dans le monde entier. Non, c'est aux femmes, s'il te plaît. C'est une journée reconnue mondialement. Mais qu'est-ce que le faire? J'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. C'est parce que tu es un jeune marié que tu ne connais pas encore ce genre de problème. Tu achètes le pain à ta femme. Oh, c'est le problème que tu cherches. À ta femme, il y en a deux. C'est le problème que tu cherches, mon frère. C'est le problème que
Tu cherches, c'est toi qui veux l'envoyer dehors. Comment? C'est toi qui veux les envoyer dehors. Calvin, cette histoire de pain là. Non. Si tu savais ce que ces femmes font avec les pains que c'est nous qui achetons. Elles font quoi? Laisse. Des bandages totales. Faut voir comment elles soulèvent leur en plein route. Le pain que tu as acheté, tu vas voir ta femme soulever ça comme ça. Pour qu'on voit. Donc je n'achète pas. N'achète pas, c'est quoi? Calvin, moi je te dis que quand le 8 mars arrive, les femmes ont déjà calé les rendez-vous avec leurs meilleurs petits. Moi je te dis, le soir comme ça du 8 mars, tu vois comment chacune est avec son meilleur petit. Ah, le jour-là, les femmes font des trucs qui ne sont pas. Et puis je te dis que des trucs. Yes, yes. Calvin, si tu veux dormir seul ce jour-là chez toi, achète le pain. Oui. Moi dormir seul. Oui. Moi dormir seul. Toi tu envoies tes femmes. Bon, je n'achète pas. Voilà. Je n'achète pas. Mais c'est bon. Comment? C'est bon. Donc c'est ce que les femmes veulent faire. Ils veulent pas acheter les pains pour aller voir les meilleurs petits. Moi je suis. Tu n'achètes plus. Je suis. Si la femme ne veut pas, c'est devenu quoi? On va acheter les pains pour qu'elle aille s'exhiber. Je n'achète plus. Comment? Merci. Je suis d'accord. Merci pour le conseil. Je n'achète plus. Vous sommes des rococos dans le mariage. On a rien vu la fin là. Moi, avant de refuser, j'avais vu le problème. Je n'achète pas. La fête de tromper son mari. Elle et moi. Il y a même l'autre, elles disent que c'est les hommes qui préparent le jour là. Si ma femme tente le jour là, elle dit que c'est moi qui prépare. Hey. Tu l'assassines. Moi, préparé. Je n'achète plus. Je n'achète plus. Je n'achète plus. Merci pour le conseil, j'achète plus. Journée internationale de la femme. Mon petit cœur, mon chou, mon amour. Mais comment tu me fais ça, mon chéri, hein? La fête, c'est demain. Toi, tu ne me dis rien. Tu fais ça à ton amour préféré. Non. Votre affaire de 8 mars, là, c'est suspect. Je dis que c'est suspect. C'est suspect comment? Mais comment? Vous faites ça ou vous faites ça comment? Moi, je sais, c'est suspect. C'est suspect. Calvin, on fait avec les amis. Tu vois, même aujourd'hui, là, on vend déjà les cabas déjà cousus. Quel genre d'amis? Quel genre d'amis? Avec les amis. Donc, c'est comme on dit, est vrai. Vous avez fixé les rendez-vous avec les amis? Derrière les hôtels, les auberges, derrière les bars. Je vous dis que non, pas mes femmes. Calvin, c'est ce que tu dis? Oui. Ok. Quand tu me donnes le cabas ou pas, je vais sortir. Il n'y a pas de problème. Je vais vous donner le cabas. Y'a pas de problème. Mais je vous donne ça le 9. Même si tu veux 100, je vais donner 100. Mais je donne ça le 9. Le plan que vous avez utilisé pour le 8, ça va rater. J'achète ça le 9. Pendant que les gens vont sortir le 8, vous restez à la maison. Vous sortez le 9. Tu vas voir, je vais sortir. Ok. On va voir. Ou c'est moi le coq qui a cette maison, ou ce n'est pas moi. C'est ce qu'on va voir. On va voir. Oui. On va voir. On va voir. On va voir. Ou c'est moi le seul coq. Je dis, tu fais encore quoi là-bas? Allons, non? J'arrive, je me nettoie le visage. Quel visage? Pardon, tu es assez belle comme ça. Ne pas que Calvin nous retrouve ici. Calvin nous croit que, comme l'année dernière, nous a pas acheté le pain, on va rester comme ça cette année. Hein? L'année passée, nous ne sommes pas sortis. Toutes les femmes sont sorties, sauf nous. Nous, encore cette année, ici. Toutes les femmes sont dehors, en train de bouger. Et puis, on va s'asseoir là. Parce que tu lui as fait son repas de tout à l'heure. Quel repas? Pour l'envoyer où? Mon chéri, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai mes copines avec qui on va aller bouger tout à l'heure là. Ah, est-ce qu'il y a un problème? Je peux même te suivre. Oh, tu n'as nulle part où aller. Non. Mais allons! Allons. Il va nous sentir. Parce qu'on va rester à la maison. C'est pas possible. Mais comme ça, les bonnes dames n'ont pas préparé. Aïe, aïe, aïe. C'est moi qui vais préparer dans ma maison que j'ai construite. Parce que c'est le 8 mars. Ok. Je leur demande de ne pas sortir. Elle sort. Attends. Je vais les fêter dans cette maison. Je vais t'attendre. Ah bon? Ok. Comme ça, madame me minimise. Je suis devenu invisible. Ok. Tu me lances le défi. Vous me lancez le défi dans ma maison que j'ai construite.
Madame, tu sors d'où? Mina, je dis, tu étais où? J'étais chez ma tante. Témoigne dans mon regard. L'amour que moi je ressens pour toi. Témoigne pas mes pédales. Ne me fais pas perdre les pédales. Tu sors d'où? Oui, j'étais aussi m'amuser. C'est quoi? Hein? Tous les jours, je dois rester à la maison. Je suis pas quand même une prisonnière. Comme ça, tu étais amusée. Parce que tu trouves que je ne peux pas t'amuser suffisamment. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux! Tu veux pas te mettre à genoux? Mets-toi à genoux! Je veux vous traiter. Je veux vous traiter dans cette maison! Toi, ta coépouse. Ta coépouse et toi, je veux vous traiter! Je veux couper tes oreilles avec ça! Je l'attends. Vous allez me planter les choux ici dedans. L'amour que moi je ressens pour toi. Témoigne pas mes faits et gestes, ça se ressent. Tout cela ne s'explique pas. Marco, tu pries que Karine se donne Dieu. C'est pas possible. Tu es avec elle? Tu étais avec elle? Tu étais avec moi. Et pourquoi tu n'as pas aussi bu? Est-ce que tu ne fais pas? Parce qu'elle boit le jus. Moi, c'est la bière. Ah bon? Mets-toi à genoux! Mets-toi à genoux! Désolé, mets-toi à genoux! Mets-toi à genoux! Marco, prie bien, parce que moi, je vais dormir. Comme ça, tu fais saouler ma femme. Vous sautez ensemble et sautez le soupe, hein? Moi, je suis bien, là. Hein? Comme ça, quand tu fais, je la supporte. C'est ce que vous appelez le 8 mars? Je vais vous demander les amis pour aller se saouler. Et tu t'achènes sur moi, comment tu la supportes? Tu vas me payer ça, tu comprends, hein? Tu amènes ma femme, on la drogue, je ne sais même pas ce qu'on a fait sur elle. Assez dans la chambre, je vais vous tirer dans la chambre. Dans la chambre, je vais vous tirer dans la chambre. La mienne, quand le 8 mars arrive, les femmes ont déjà calé les rendez-vous avec leurs meilleurs petits. Le jour-là, les femmes ont des trucs qui ne sont pas des trucs. Votre plan que vous avez utilisé pour le 8, ça va rater. J'achète dans le 9. Pendant que les gens vont sortir le 8, vous restez à la maison. Vous sortez le 9.